Salut à toutes et à tous, c'est Galux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Sica. C'est moi? Mais oui, c'est toi. Donc du coup, Pierre Sica est un magicien, qu'est-ce que tu fais alors dans la vie? Magicien, hypnotiseur, ouais. Et depuis peu, youtubeur. Ah oui, ouais, ça fait pas longtemps. C'est tout neuf. Eh oui. Je suis un peu puceau dans le milieu. Tu débutes. Vous l'avez peut-être vu avec Fildrong, parce que tu avais hypnotisé Fildrong, hein. Ça, très réceptif, je savais. Zoom, mon fil. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses un petit tour pour ma chaîne avec un paquet de cartes, tout ça, parce que je me suis dit, bah voilà, tu m'as pensé que j'étais fan des cartes. Oui, fan des cartes. Carte, et Pokémon, mais pas que. Et ouais, je joue aussi à la belote, au tarot, rami, tout ça, enfin bref, plein de cartes. Au trou du cul. Au trou du cul, président, évidemment, évidemment, le 8 américain, tout ça, tout ça. Pardon. Bah, du coup, voilà, j'aurais aimé que tu fasses un petit truc pour ma chaîne pour montrer à mes abonnés. C'est possible. Voilà, c'est possible. Donc, avec des cartes, donc je t'endors pas alors. J'aurais aimé, mais je pense que ça va pas marcher. Ah, on pourrait essayer. Ah, alors, faudrait caméra, essayer. On va essayer. Ouais. Alors, j'ai. Petit paquet de cartes. Alors. Tu veux des cartes Ouais, mais bon, c'est une chaîne Pokémon. Donc, moi, j'ai mes cartes à moi. Je vais te les montrer. Voilà, et j'aimerais qu'ils fassent le tour avec ça. Donc, des cartes Pokémon. Normal dans le thème. Ok. Est-ce que tu te sens capable? C'est que je t'aime plus du tout là. Non, on va se. Ouais, et ça se prend. Ouais, ça passe. Donc, ça, c'est une sorte de petit défi que tu me lances. Ah, bah ouais, bien sûr, attends. Ok. Donc, moi, je veux bien. Je veux bien répondre à ton défi. Par contre, moi aussi, j'ai un petit truc. Est-ce qu'on pourrait inclure dans ces cartes-là celle-là? J'y tiens à cette carte. Hein. C'est quoi exactement? C'est Solgaleo X. Je l'avais tiré dans une de mes vidéos, si vous en souvenez. Voilà, tu fais attention, hein. D'accord. Ouais, attends, tu vas y faire attention. Parce que là, maintenant, elle est au milieu de toutes les autres. C'est à toi de... Bon, je te fais confiance. Hein. Alors, bah, il y a plein de cartes, dont... Solgaleo. À toi de... Ah, bon. Et tu vas me dire stop quand tu veux. Ok. Stop. Top. Alors là, si c'est sur Solgaleo, c'est chaud. Non, ça va. C'est chaud, hein. Mais on va pas prendre celle-là. Ok. Non, on prend ce qui vient après, parce que sinon je l'ai déjà vu cette carte et je pourrais avoir... Ah oui, quand on est petit. C'est Solgaleo. Je la prends? Ouais, tu me la montres pas à moi, ça c'est important. Tu la montres à tout le monde, mais pas à moi. Ok. C'est bon? Ouais. Alors ce que tu vas faire, très important, et c'est pour ça que mettre une carte un peu rare, c'était rigolo, c'est que tu vas signer la carte. Ah. Oui, non, le plus drôle, c'est pas quand je le sors. Quand je le rentre. Putain, je le rentre. Tu marques donc en gros ton prénom sur la carte, comme ça au moins elle est unique. C'est. Ok, tu vois pas. Non, regarde, je me tourne. Donc je récupère d'abord le stylo. C'est mon petit côté radin. Et tu le. Ah voilà. Il se remet. Et je récupère la carte. Alors c'est très très simple ce qui va se passer. Je mets la carte dans le paquet. Ouais. Et je vais tout simplement couper le jeu. Mélanger le jeu de manière à ce qu'on ne puisse pas la retrouver. Et je sais pas si tu le sais, mais tous les magiciens de la planète, tous sans exception, quand ils veulent retrouver une carte, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leurs doigts. Ah bon? Oui. C'est logique. Ah, tu vas faire avec les pieds. Enfin, je dis c'est nage, mais je l'ai fait aussi avec les doigts. Alors, pas avec les pieds non plus, mais tout simplement en la faisant voyager. Alors, si je fais ça, la carte s'envole, virevolte et arrive dans ta poche. La carte est signée. Bah, vas-y. Mais trop tard, non, trop tard, elle est partie. Et elle est arrivée dans ma poche. Ah. Oui, vas-y, regarde. Là? Ouais, vas-y, ah, je t'en prie. C'est la bonne ou pas? C'est la bonne? Non. Non, attends. Est-ce que c'était une celle-là? Ah, non plus. Ah, il y en a pris plein d'avant. C'était celle-là? Ah non, non. Mais il y en avait combien dans la poche? Je sais pas, t'en as pris combien? Je sais pas, il y a rien. Mais ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Non, parce qu'il me dit un truc, c'est que si toutes les cartes sont dans la poche, c'est qu'il y en a plus qu'une ici. Ah ouais. Et c'est elle, en effet, c'est Cosmog. Mais attends, on peut aller un peu plus loin encore. J'ai même pas vu, tu l'as mis dans la poche. Bon, on va aller plus loin, on va aller plus loin. Regarde, donc ça c'était pas la bonne, ça c'est pas la bonne. Tout à l'heure je t'ai dit que donc, tous les magiciens quand ils retrouvaient des cartes, ils les retrouvaient donc avec les doigts, c'était pas cool. Moi je les fais voyager. Ouais. On va aller un peu plus loin. Tout à l'heure tu m'as dit, tu vas pas le faire avec les pieds quand même, tout ça. Non, tu vas pas le faire avec les pieds. Non. Mais je vais le faire avec la bouche. D'accord. Donc tu vas me donner un chiffre entre 1 et 5. Et ce chiffre, ça va être le nombre de secondes que je vais avoir pour retrouver ta carte avec ma bouche. Donc en gros, autant te dire que si tu penses que je suis un magicien de merde, tu me dis 5. Un magicien très nul, 4. Un magicien moyen, 3. Un bon magicien, 2. Et si tu veux me lancer un défi devant tous tes abonnés... En une seconde. Je sais pas, c'est toi qui décides, je veux pas savoir.
Bah écoutez, moi je pense que t'es un très bon magicien, du coup je vais tenter le 1 seconde. Après c'est à toi de faire tes preuves. Ok. tu me proposes, moi j'y vais. Okay. Alors attention, c'est très simple. Dès que le jeu touche mes lèvres, tu comptes 1 et moi faut que j'aie trouvé la carte avec le bout de mes lèvres. T'es prêt? Ok. Une seconde, c'est chaud quand même. Et sans qu'il y ait la carte. Ouais. Attention. 1. Ouais. C'est pas vrai. Eh non. Une carte une seule, pliée en quatre. Les gars, je vais me détruire une carte Pokémon. C'est toute ta communauté qui va me haïr maintenant. En plus Cosmog. Mais non. Signé par toi, ça. Ouais, Galou, ça c'est écrit. Mais non, mais c'est impossible quand tu avais la bouche. Bravo, franchement, vous l'avez félicité. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube parce que franchement, il gère. Mais alors là, j'étais. Même vous, je pense que. Ça doit sentir une odeur un peu. Mais bon, après. Ouais, non, franchement, j'étais vraiment surpris. Bah, merci beaucoup d'avoir fait ça. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Bah, écoute, c'est vraiment un plaisir. Retrouvez-le sur sa chaîne, donc Pierre Sica sur YouTube. Il a fait des défis avec d'autres abonnés, d'autres YouTubeurs, excusez-moi. Bah, comme finalement vous connaissez, puis il y en a d'autres, Tartinex, Farod, enfin, tout plein. Et puis, c'est que le début, hein. J'espère. Bah oui, j'espère. Bien sûr. Et retrouvez-le sur ma chaîne aussi. Évidemment. C'est moi, ça va sortir ou c'est sorti. Il y a d'autres YouTubeurs, dont moi aussi, qui sont sur sa chaîne. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre. Ciao, ciao.